Le premier ministre chef du gouvernement a prescrit depuis la troisième session du Cameroun Business Forum une franche amélioration du climat des affaires au Cameroun par la transparence, la simplification des procédures, la réduction des coûts et des délais de traitement des dossiers de délivrance des actes d'urbanisme. Pour y parvenir, le système qui va simplifier cette procédure de dématérialisation a été présenté à Douala cette fin de semaine. L'idée, c'est de faire un centre très performant qui permet de délivrer dans des délais extrêmement courts l'ensemble des autorisations, les permis de construire, les autorisations de lotir, en mettant à disposition de l'ensemble des techniciens et opérateurs au sein de la communauté les plans et les outils permettant de disposer directement du plan de développement urbain, des plans d'occupation du sol et des différents outils de planification qui peuvent rapidement l'aider à voir si le projet présenté est en conformité avec la réglementation et la planification en vigueur. Ce sera un système très simple à utiliser mais qui apportera beaucoup de valeur ajoutée pour l'administration en vue d'une plus grande efficacité et d'un meilleur service aux citoyens. Toutes les villes du Cameroun seront soumises à ce nouveau système. Mais en attendant, Douala a été choisi comme centre pilote. À Douala, on construit n'importe comment. On peut trouver un titre foncier qui est sur l'autre. La dématérialisation donc de tout ce système et la maîtrise d'urbanisme, plan d'occupation de sol et le plan cadastral permettra donc d'avoir un système performant dans la ville de Douala. À Douala, ce projet est une aubaine. Ça va réduire les contentieux en la matière. Ça va réduire le temps de traitement, réduire le coût de l'opération et lutter efficacement contre tous les comportements déviants autour de ça, en matière de corruption et autres. Les acteurs de ce processus ont 4 mois pour mettre sur pied ce nouveau système.